Réveille-toi, déconne pas, arrête! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on nous a attaqué, je crois. Qui? Je peux pas te répondre, je sais pas. Attends, qu'est-ce qui nous arrive là? Je sais pas, je me suis réveillé, j'ai trouvé un portable sur moi, il m'a dit qu'il va te rappeler. Mais qui? Je sais pas, je t'ai dit, je me suis réveillé, il m'a donné sa coche, il t'a dit, il te la donne, il va te rappeler avec ce portable. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est bordel, c'est pas ça! J'ai chancé, moi. Ça sonne. Réponds, vas-y. Oui. Bonjour. Désolé de ce qui vous arrive. Si vous avez fait ça. Je vous ai rien fait. Enfin. Vous allez bien m'écouter attentivement. On va te faire au foot, tu comprends? Mais tu es con, pourquoi tu as raccroché? Tu sais même pas qui c'est. En plus, j'ai mal au crâne là. Il te rappelle, décroche. Raccrochez-moi encore. Termine. Et je vous fais exploser comme une merde. En appuyant sur un seul bouton. Regarde bien ta cheville. Regarde ta cheville. Et regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous conseille de pas l'enlever. Ni de la bidouiller ou la trafiquer quoi que ce soit. Sinon, boum. Crois-moi, c'est pas moi le méchant de l'histoire. C'est quoi cette merde là? Et en plus, tu vas rendre un grand service. Et si j'ai pas envie? Je viens. C'était le choix. Écoute-moi bien. Tu vas livrer cette sacoche à l'endroit indiqué que tu reçois sur ton téléphone en ce moment. Tu as une heure pour me rapporter la sacoche. Tu meurs. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans la sacoche. Quoi, ça? Ouvre. Je t'en prie, vas-y, ouvre. Vas-y, te gêne pas. Ouvre. Ce que tu vois là, c'est l'avenir. Ce médicament de laboratoire va pouvoir guérir de nombreuses maladies. On va pouvoir guérir le cancer, le sida et toute une merde qu'il y a sur cette planète. Qui dit que vous dites la vérité? Je crains que t'as pas le choix de me croire. Des gens vont essayer de te prendre la scotche. Protège-la, coûte que coûte. Si tu viens pas dans une heure. Boum. À toi de jouer. C'est dans le côté de la ville. Eh ben alors traîne pas. Qui dit c'est pas du bluff? Je savais aussi que t'allais me poser ce genre de questions. Et pour montrer ma détermination, ton ami va servir de cobaye. Non, je dis quand j'ai pas besoin, non! Regarde bien. C'est quoi cette merde là? Tu veux qu'il me l'enlève? Non, touche pas! La mission c'est toi. Tu devrais sortir vite de la pièce parce que ça va faire du bruit. Sors, tu entends, je sors! Tu devrais bouger et sortir. Sors! Je vais exploser! Sors de la pièce, sors! Il
veulent bouger, Nico. Alors, tu me prends au sérieux maintenant? Rapporte-moi cette sacoche dans une heure. Protège-la coûte que coûte. Ne touche pas au bracelet, sinon boum. T'as bien compris? T'as bien compris? Je vois que ton silence en dit long. Si, une question. Pourquoi moi? Fonce! Alors, ça te fait faire du sport? Un conseil d'ami. Évite les grands axes. Évite là où il y a du monde. Les gens vont essayer de te la prendre. Protège-la. T'as compris? Ouais, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je veux savoir vraiment pourquoi moi. Tu t'entêtes? Tu t'entêtes vraiment? Vraiment, tu veux savoir pourquoi toi? Disons que... Tu m'as été chaudement recommandé par une personne. Par qui? Question. Je te dis qu'une seule chose. Ramène-moi cette sacoche. Ramène-moi ça. Ramène-moi là. Ça va. J'arrive. Allô? Ouais, allô? C'est bon, vous êtes en place? Ouais, c'est bon, vas-y, on t'écoute, dis-nous. Vous avez intérêt de m'écouter. Ok. Il va arriver, là. Maintenant? Oui, maintenant. Allez, prenez la sacoche. Je crois que c'est lui.
Non, je la pense pas. Comme tout va bien se passer, je n'ai rien contre toi, je veux juste la sacoche. Non, tu sais très bien que je peux pas t'en passer. Je me laisse plus le champ. T'arrêtes maintenant! Je peux pas renoncer, je veux la sacoche! Vu que je te considère comme mon frère, je pense que j'ai quelque chose pour toi. Mais ouais, un truc où tu pourras. Il faut être fort, quoi. Tu me connais. Y'a pas de problème, frérot. Tu le sais que je suis toujours là. T'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. C'est pas de problème. Pour les entraînements, je vais reprendre. Franchement, j'aimerais bien que tu sois là. T'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. T'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Et quand je t'appelle, tu décroches direct. Toujours, hein. C'est bon, là, je vais faire 24 heures sur 24 pour entraînement. Pas de problème. T'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. T'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Bon, viens, on passe à l'entraînement. Viens. Hola, cabrón. Allô, allô, c'est ici, Joe. Mira, on se le cas passant. Ouais, ça y est, ouais, j'ai le sac là avec moi, tout là. Il faudrait juste une chose, qu'on m'enlève ce putain de chose que j'ai dans le pied, dans la cheville là. Allô? Ouais, on est en train de le suivre là. On est à peu près à 20 mètres derrière lui, il nous voit pas. Ouais, ok. Espérons que c'est le bon. Je suis où là? Ouais. C'est quoi ça? Faut que je te voie, oui, c'est très important là. C'est bon, je l'ai, ouais. Attends, faut que je raccroche, ouais, le mec doit m'appeler là. Te llamo, más tarde, allez. D'aquí una hora te llamo. Allez, está pronto. Ciao, ciao. Il se passe quelque chose dans la voiture, on a fait les suivre. Oh, ils sont en train de se battre. Suis-les. Je le crame, hein. Je le crame. Ah ouais, tu crois? Allez, lâche pas, hein. Vas-y.
Je suis à proximité d'eux là, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Alors bouge-toi, vas-y bouge-toi. Mais je suis vraiment pas loin d'eux là, je m'en occupe de suite, je me sens courant. Allez, t'as pas le temps. Vas-y, go, go, maintenant. Là. Il a rien compris. C'est bon, revenez. Ça va, on arrive. Mais quelle merde on avait mis là? Deux personnes qui ont essayé de prendre la sacoche. Qui est deux personnes là? Le prochain coup que tu les recroises, tu les, t'as compris, tu les. Il y a 1000 personnes qui m'ont sauté dessus là depuis tout à l'heure. C'est quoi ce truc? J'en ai rien à foutre. C'est quoi ce truc, ce plan là? Franchement, dans quelle merde on avait mis là? Franchement, sérieux. Quoi? Ramène-moi la sacoche de suite. Et si tu te croises, tue-les! Et cette voiture, où t'es dedans, elle doit te pister. Donc jette-moi cette voiture! La voiture? C'est moi, je vais la lâcher, la voiture! Jette-moi où ils vont te retrouver! Ramène-moi cette sacoche! Bonjour, ramène! Ramène cette sacoche! J'arrive, je vais ramener votre sacoche là, mais franchement, j'arrive là. Merde! Jamais tranquille, c'est ça? Allez, viens.
Attends. Tu veux la sacoche? Là, je t'ai vu tout à l'heure descendre. Franchement, t'es une descente vraiment admirable. Mais toi, c'est quoi que tu crois? Et bien sûr, t'as la sacoche. Si tu cherches ça, ce sera dans ton intérieur dans la nuit. Tu l'auras. Attends. Il y avait une personne, deux, trois, quatre. Ça, c'est qui? Justement. Le premier sera le dernier sera le premier. Tu veux essayer? T'as dit ça alors? Affaire urgente. Non, rien. Tu viens me voir de suite, t'as compris? Tu veux que je fasse déplacer des hommes? Allez, bouge-toi. Allez, allez. Maintenant. Ok, 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 je viens tout de suite. Tout de suite. Je te crois tout permis. Parce que t'as un statut envers l'organisation. Écoutez, il y a du potentiel dans ce que je fais. Je sais ce que je fais. Lâche ton cul et nettoie-moi ce bordel, t'as compris? Bon, ça va, ok, ok. Attends, si t'arrive quelque chose, on se mêlera pas. T'es tout seul sur ce coup-là, compris? T'es tout seul. T'as pris assez d'hommes comme ça. Nettoie-moi ce bordel. Thank you.
Sac. On veut juste t'aider. C'est juste 5 minutes. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je dois amener cette sacoche. Vous voyez pas une bombe là? Quelle bombe? T'as rien sur toi. Regarde. C'est qui m'a enlevé la bombe? Regarde. Ta bombe est désamorcée. On était comme toi avant. Alors écoute-nous 5 minutes maintenant. Ce mec qui te persécute, il n'en veut pas qu'à toi. Il en va à tous ceux qui sont bons dans certains domaines, comme la survie. Lui aussi, il a été embrigadé comme toi, comme nous. Mais l'argent lui est monté à la tête. Et maintenant qu'il a le pouvoir, il s'amuse avec la vie des gens. En faisant du recrutement bidon, rien de plus. C'est un test. On l'a retrouvé grâce à elle. Elle avait le bracelet aussi. Elle a réussi à nous le désamorcer.
Et on l'a affronté, le capitaine de bracelet. Franchement, honnêtement, il est bien entraîné. Il a plein de vis. Mais je pense que dans ta sélection, il y a quelque chose de bizarre. Ça me trotte dans la tête depuis un petit moment, mais je pense que tu n'as pas été choisi au hasard. C'est sûrement quelqu'un que tu connais, qui t'a mis sur le coup. Quelqu'un de proche. Avec lui, j'ai vu ça lui trouver un œil. Mais ça ne l'arrête pas. En fait, c'est qu'un pion. Il a des patrons aussi au-dessus de lui. Donc il faut l'avoir. Sinon, il continuera à traquer. Toi, moi, nous. On a monté une milice et voilà ce qui reste de nous. Tous les autres ont été tués par lui. Donc aide-nous et surtout aide-toi. Depuis que je suis sorti de prison, je connais personne. Ni amis, ni fréquentation. Que mon cousin. Ils me l'ont pris. Il va me le payer. Fini la rigolade. Alors comment on va procéder? Moi je serai là pour te guider et ils seront là pour te protéger. Alors, tu marches? On te suivra à la trace et on va intercepter tous ceux qui se mettront à travers de ton chemin. Compte sur nous alors. De toute façon, je suis pas très loin de toi. Dès qu'il est localisé, t'inquiète pas, on le coince, mais pour l'instant, suis ses instructions. Et tous ceux qui se mettront à travers de ton chemin, on les interceptera. Ah ouais, encore une chose. Pourquoi je me souviens plus de rien quand je me souviens? Ben, il a une machine, enfin, en quelque sorte, il peut t'effacer la mémoire pour quelque temps, mais t'inquiète pas, tu vas la retrouver. Et oui mon gars, on n'arrête pas le progrès. Juste là, tu as la micro-caméra, il est caché dans ton textile. Ne te mets pas face à moi quand il sera enlevé. Reste de dos. Il vous entend aussi? Non, il a que l'image. Allez, il doit se bouger là. Vas-y, go. N'oublie pas d'enlever le petit cache de ta caméra. Hein.
Dépêche-toi. J'arrive là. Dis-moi quand tu y es. Je suis arrivé là. Je vois que tu t'en sors très bien. Tu t'es bien démerdé jusque là. Tu dois faire quoi? Eh ben continue tout droit. Prends ce chemin pour me ramener le sac. Allez. Voilà sa coche. C'est pas à qui tient à faire. Vas-y, pars, je m'en occupe. Pars. Ok. Ça va, père, you
Thank you.
Approche. Bravo, mon ami, bravo. Ah, c'est fier de toi, tu me ramènes la sacoche. C'est vous que j'ai eu au téléphone? C'est moi que tu as eu au téléphone. Et tu t'es vraiment bien démerdé. Tu es arrivé dans les temps à l'heure. Mais il y a beaucoup de choses que tu sais pas. Ce que tu sais pas, que je vais te dire, c'est qu'on m'a recommandé à toi. On m'a dit que t'allais réussir. Et tu fais l'affaire. Tu vas être engagé. C'est qui cette personne? Quelqu'un qui t'est cher. C'est que c'est un test, mon gars. Et tu es vraiment excellent. Quel test? Vous avez tué mon cousin? Il y a beaucoup de choses que je sais pas. Et ça va même te surprendre. Je vais te présenter. Viens voir. Mon cousin. Mon cousin. Tu as rien compris encore. C'est un test tout ça. Quel test? Quel test? Tu m'envoies en galère. Moi qui croyais que c'était mort. Calme-toi, je t'ai dit. Je savais que tu allais réussir, ok? Si j'aurais pas réussi. Tu allais réussir, tu es mon cousin, je te connais quand même, ok? Et ça, c'est calculé depuis le départ. Aujourd'hui tu es ici, c'est le plus important. Moi qui croyais que j'étais mort. Calme-toi, je te dis. C'est quel test, je te dis. Quel test, quel test? C'est celui-là que tu vis. Stop. Pas ça avec moi. Stop. Arrête de faire ça. Je bats de ça entre nous. C'est combien j'ai tué de personnes pour toi? Rien à foutre. Bats de ça entre nous, je te dis. Thank you.
Thank you.
Qu'est-ce que tu fais, mec? Toi, tu te mets contre moi maintenant? Bien sûr, je me mets contre toi. Entre choisir la famille ou tout le reste, choisir la famille. T'as choisi alors. T'as choisi ton gars, je t'emmerde. Quel objet? Toi, vous m'avez arrêté tout le long. Maintenant, tu auras nulle part maintenant. C'est que du pipeau, ça. C'était du vent. Il n'y avait rien dans la sacoche. Tu m'échapperas pas. Mais il me passe en arrière tout le long. Alors vous aurez pu travailler avec moi. C'est moi qui a montré ce jeu. Stop. C'est moi le maître du jeu. C'est moi qui dirige tout ça, c'est moi. Ça suffit, ton pipeau là. Je vois que y a toute l'équipe. C'est pas de soucis, c'est la fête pour toi, tu n'as nulle part. C'est la fête pour moi, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide quand ça va. C'est nous qui décide maintenant. Ou quand ça fait. C'est la fête pour toi et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête. Vous voulez jouer? On va jouer. Bon cousin. Je suis désolé. T'as pas à t'excuser. Je suis désolé, cousin. J'ai pas su te protéger. Je suis pas sage. Si. Ne meurs pas, tiens le coup. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais tout ça, ça va exploser. Je connais, hein. Laissez-le moi. Occupe-toi de mon cousin. Sortez-le. Viens!
sur toi. Encore, allez. Avec l'équipe, toi alors, ça va? Ça va, moi je sais, on repense plus ou ce qui s'est passé. Ah, c'est du passé ça, hein? C'est du passé. On oublie, on oublie, on essaye d'oublier. Ça va les gars, ça va, mec. Ça va? Ça va bien, tranquille. On a un peu mal, mais bon, ça va mieux, toi? Montre-moi un petit truc là que tu fais là, j'aime bien. Ah, attends, tu es blessé, tu me demandes déjà. Non, mais c'est Cindy. Oh, ça va? Ça va et toi? Tu te remets doucement, doucement? Ça va, ben, petit à petit, hein. Ça va. Joli, ouais, juste un petit défaut. Si je peux me permettre. Vas-y, doucement, t'en es pas là. Ouais, je vais aller doucement. Doucement, hein. On est, voilà. Donc là, quand tu mets coupé, c'est bien la hache qui frappe. Esquive. Bien. Doucement, fille, doucement. Voilà. Vas-y, fais-moi un petit déhanché. Oui. Ouais, allô David? Bien? Non, vous êtes trompé. Non, ah? Je suis pas David. Ça va, bah excusez-moi, bonne journée. Oh, alors. Au revoir. Allez, au revoir. Oui.
Ah, je crois que vous êtes trop. Non, je suis pas trompé de numéro. Tu sais qui je suis? Je suis le frère jumeau de celui que t'as tué. Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? J'ai vu que vous étiez bon en armes. On va voir si vous êtes aussi bon avec des armes. Armez-vous. Parce que j'arrive. Je sais où vous êtes. J'arrive vous traquer. Attends, je mets de la colle. Blessure de guerre, et ça, c'est un vrai honte. Attends, de la colle. Je crois qu'on va devoir amputer. Arrête de faire ça, je te dis. Bravo. Bravo. Excuse-moi, Yeah. Non. 5 minutes, on veut juste t'aider. J'ai pas le temps, je dois amener cette sacoche, j'ai pas le temps. Je m'en fous. Coupé. Comme tu fais. Heureusement qu'il est là. Maman, maman, comment il a blessé? Ah, j'ai mon doigt. J'ai fait ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai tant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a personne. T'as conseillé qui t'a. Coupé! Non mais on le voit pas lui. Oh!
Juric, on est très très chaud les gars, on a un Tai Chi ici. Mais non, mais c'est bon, je vais le faire.